Franchement, petit bonhomme, je connais rien de plus agréable qu'une bonne partie de pêche. Si on réussissait à attraper un poisson, ça serait encore mieux. Oh, cette fois, je crois que j'en ai un et un énorme. Si... Bouteille. J'ai déjà atteint mon quota de bouteilles vides journalier. Il y a quelque chose à l'intérieur. Un message. Donkey, c'est pour toi. Sans blague. Cher Donkey Kong, j'ai le grand honneur de vous annoncer que vous avez été élu futur chef de tous les futurs chefs de la Fédération des futurs chefs pour un mandat de 5 ans. Aussi, voulez-vous bien vous présenter au siège social dès demain? Demain? Didi, ils veulent que je parte de Congo Bongo. Non, d'une banane pas mûre. Donkey Kong, j'aurais dû me douter que tu les ardais au soleil plutôt. Cranky, regarde ce que j'ai pêché. Je vois, c'est un grand honneur, Donkey. Quand c'est la Fédération des futurs chefs qui te demande, tu te dois d'accepter. Ah bon? Voilà une bonne nouvelle. Et il y en aura une autre encore meilleure. Chaque fois qu'un futur chef s'en va pour cause de promotion, on lui organise un banquet d'adieu. C'est vrai? Et dis-moi, ça se produit souvent? C'est la première fois. Prépare-toi à connaître la honte de ta vie, mon pote. Pourquoi? J'ai un bout de banane sur la figure? Non, Donkey. Place au spectacle! Je suppose que vous savez tous pourquoi nous sommes réunis. Tu m'avais dit qu'il y aurait des feux d'artifice. Tu m'as forcé à venir. On veut voir à l'œil. En effet, nous allons malheureusement faire nos adieux à l'un de nos compatriotes. À ce propos, j'aimerais vous raconter une histoire. Ça va, j'ai essayé de chauffer un petit peu la salle, c'est tout. On est assez échaudé comme ça, maintenant va t'asseoir. D'accord, parce qu'entre vous et moi, j'espère que le premier orateur ne va pas jeter un froid. On applaudit bien fort Eddie, l'abominable Yeti. Donkey sympa, mais givré. Et Eddie le Yeti, il sait ce que c'est que le givre. Comment il arrive à les faire rire? Parce que moi j'ai fait un bide. On en a attrapé des crises de fou rire, Eddie le Yeti et moi. Pas vrai, Eddie? Je me rappelle. Moi, Eddie, l'abominable Yeti, moi, méchant. Quoi? Avec Eddie le Yeti, la livraison est gratuite. La pause déjeuner est terminée, il est temps de se remettre au travail. Tout compte fait, on n'a peut-être pas autant rigolé que ça. Adieu, Donkey. Eddie plus triste que le jour où il a eu des brûlures d'estomac. Aïe. Et maintenant, je laisse le micro à mon vieil ami, Funky. Donkey Kong, mon frère, depuis que nos karmas se sont télescopés, nos vibrations respectives produisent un courant continu d'ondes positives. Hein? Je crois qu'il veut dire qu'on a passé des tas de moments agréables. La voilà! Ouais, je l'ai vu! Super, je vais pouvoir vous larguer juste au-dessus du bateau. Quelle poisse! Oh ouais, j'assure! Banane à la mer! Ouais, continue comme ça, c'est bien, vieux. Laisse-moi. T'arrête surtout pas, tu vas y arriver. Réfléchis pas, laisse parler ton corps. Oh, on dirait que cette petite promenade t'a laissé sur le carreau, mec. Enfin, j'ai cru que c'était ce qu'il voulait dire. Toi, tu me comprends comme une vague déferlante, Donkey Kong. Comme je dis toujours, la marée est macrocosmiquement haute, vieux.
L'univers croit en sa bonne étoile et l'aiguille de mon nirvanaromètre est bloquée sur Beaufix. Sans blague. Écoute le message de Funky le Surf. C'est fantastique, un truc vraiment unique. Pas de prise de tête, tu piges. C'est tellement puissant que ça te fiche le vertige. Mon corps est en place, mon esprit en pilotage automatique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à écouter ma petite voix intérieure. Toutes ces ondes négatives commençaient à me chauffer grave, si bien que j'ai voulu décompresser en allant me taper une petite vague. Tout baignait dans l'huile, ou plutôt dans une eau à 28 degrés, quand une vague haute comme une montagne s'abattit sur moi. Je me suis retrouvé prisonnier dans le rouleau. Aïe, mauvais plan! Qui sème la noix de coco récolte des pépins. Aussi, je te conseille de mettre le cap au sud si tu ne veux pas avoir une méga vague à l'âme. J'ai assigné ma mauvaise étoile à comparaître devant une juridiction cosmique. Mais dis-moi, je te trouve mauvaise mine. Tu es sûr que tu n'aurais pas besoin d'une bonne séance de yoga pour te purifier le corps et éliminer tes toxines mentales? Tu devrais partir en voyage avec pour tout bagage un sac de plage et une bouée de sauvetage. Merci, Funky. C'était un beau compliment. À moins que ce ne soit une insulte. Aïe!